Voilà, bah désolé, on a été coupé. Bon, quoique, est-ce que vous devez être désolé? J'ai envie de dire non. Ce sera une vidéo en deux parties. Ah, on peut s'acheter. Alors moi, je voudrais le loup. Ah non, ça donne bien un tigre. Même ça, c'est buggé. Quand tu demandes un loup, tu as un tigre. Quoique, je peux en acheter plein. Je dois être blindé de pognon, là. Ah ouais, 1097. Alors on va s'acheter ça aussi. Ah non, c'est buggy en fait, il te donne. Ah ouais, non, mais maintenant ça marche même plus. Autant j'avais réussi à avoir le squelette ou je ne sais quoi dans la journée. Autant là maintenant c'est mort. C'est fini, il n'y a plus. Mais arrêtez de taper les gens en traître, laissez mes tigres, mais pourquoi vous voulez tuer mes tigres, ils vous ont rien fait. Voilà, ils sont tes morts. 400 PO dans le vent. Merci d'être passé. Même OBS il m'a dit non, je veux plus streamer cette merde. Déconnez pas. Franchement, ça se fait pas. Alors autant d'habitude il me déconnecte, là il m'a même coupé la vidéo carrément quoi. Je veux dire voilà, il en a eu marre. Il dit le jeu, on se fout de ma gueule, on a des potions à foison, elles nous servent à rien. Alors, qu'avons-nous de nouveau? Putain, j'ai même plus de place. Plus 6. Attends, c'est du moins 5 ou du plus 5? Non, du plus 5. Oh, c'est de la force, moi je suis preneur. De toute façon, de la vie, c'est sûr, on en a toujours trop. Allez, mais dépose-toi. Oh bah vas-y, va mourir. Oh. On se demande pourquoi on nous donne des trucs de dodge. Pourquoi ça tape tout seul? C'est quoi ce bordel? J'entends des fouit fouit. Bon voilà. Alors je voulais juste vite fait tester mon nouveau skill. Hein, les skills qui veulent jamais se mettre ailleurs. Comment on fait pour changer cette flèche? Dites-moi, il y a un système. Right-click. Non, ça marche pas. Ça se met toujours sur les 1, je ne comprends pas. Eh merde, je l'ai fait pop. Alors je ne comprends pas du tout ce qu'ils veulent, comment ils veulent que je fasse ça. Ils me disent de faire un clic droit, puis un clic gauche. Il y aura un skill actif pour le mettre dans ce slot. Bah je veux bien, mais voilà, ça marche pas. Ah. Non, là je l'ai carrément posé, j'en sais rien. Jeu du schnapps. Ah mais c'est eux qui foutent le bordel, mais qu'est-ce qui vous arrive les mecs? Non mais je peux même pas taper, mais laisse-moi taper. Mais c'est quoi ces conneries, je peux plus bouger. Ah ouais non mais... Coincé. Ramasse. Merci. Alors j'aimerais bien. Ah, des vendeurs. Alors ça m'intéresse. Bon, on va mettre une semaine. J'en suis fort désolé. Alors un bâton, donc l'épée est peut-être bien. Bah non, bah, forcément, je vais récupérer la même de base. Une tabarzine à plus 23, bah ça ne sert pas à grand-chose. Et tout le reste, j'imagine, on vend ce que t'as déjà en triple exemplaire. Alors vas-y, on va vider un peu le sac. Hein. On s'en fout du pognon, mais bon. On a besoin de la place. Non, mais on m'avait dit, joue à State of Decay.
Alors par contre, je viens de réfléchir à un truc, c'est que comme OBS c'est en plus, quoique non, il s'est pas fermé, il s'est coupé. Donc j'espère qu'il va pas me bugger la première partie. Qu'elle soit quand même exploitable, parce que franchement. Alors autant d'habitude je mets des vidéos sur YouTube par plaisir. Parce que voilà, j'aime bien montrer des jeux des fois qui sont pas très connus dans les jeux indés ou les trucs comme ça, ou parce que des fois bah il y a des bonnes barres de rire. Mais autant un jeu comme ça qui a quoi? Qui avait. Je crois qu'il va avoir bientôt un an, il me semble. Bah, il faut mettre en garde les autres joueurs. Voilà, il faut leur dire, ne claquez pas 20 euros dans ça. Dans le meilleur des cas, si vous voulez rire, voilà, vous avez ça gratos ou dans un bundle encore. Ouais, pourquoi pas. Mais s'il vous plaît, déconnez pas. Non, en plus, si tu vends, tu peux pas récupérer. Mais pourquoi t'avances après, toi? Mais qu'est-ce qui me fait. Tiens, est-ce qu'il coûte plus cher, lui? Juste pour voir. Ah, il me semble que oui. Ah, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Au moins pour une des deux potions. Voilà, on va le ramasser. Ah, mais il y a la barre de mes alliés. Putain, mais ils vont crever, moi. Je les ai laissés galérer. Comme je ne sais quoi. Voilà, je voulais tester. Ah, les sauts du schnapps. Allez, mais le tigre, t'es dessus, là. Le tigre est en toi. Alors, il faut peut-être que je me dépêche, ouais. Il faut en tuer encore 3. Kenin, Taurania, Archer. Alors, il faut les trouver en plus. Alors, j'espère que le son ne sera pas trop fort. Je vais te faire un truc. J'ai peur qu'on ait un écho sur les cris du tigre. Mais de toute façon, il y a tellement pas de musique. Ça tombe, il y en a. Moi je dis il y en a pas, mais ça tombe, il y en a. Peut-être moi qui en ai pas. Waouh, il y a un cochon géant. Ah non, c'est un tigre. Non, mais tu te prends pour un Jedi. Là, tu m'envoies des sabres laser. Putain, mais des fois ça reste coincé, il veut plus bouger. J'ai l'impression des fois il se fout de ma gueule le jeu. Voilà. Ah, il n'y avait pas une arme? Non, c'est l'autre qui a dégagé. Alors, je vais réinvoquer mon tigre. Voilà. Finalement, je vais remettre ça, je ne sais pas. Quoique 10 de damage, ça c'est 30. Mais non, je voulais juste le mettre dans ma barre, moi. Je voulais faire ça. Et mes alliés vont crever. Ah bah ouais, ça devient. Ah bah voilà, on a raté. Eh ouais, j'étais en train de faire mes conneries, en train de vendre. Bon bah c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe alors dans ces cas-là? J'en sais rien moi, comment on fait? Last checkpoint? On fait last ketchup? Allez, on va la refaire. Alors, en même temps, j'ai eu un souci de déco. Alors Ulmine, comment tu vas? Ah, t'es passé quand même voir le jeu de l'angoisse. Ah ouais, mais attends, last checkpoint, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah ouais, mais ils m'ont rien vendu et tout. Oh, le jeu du schnapps. Eh ouais, t'arrives. Ah ouais, mon dieu, que c'est laid. Ah, t'es. Ah, franchement. T'as pas tout vu, là. C'est pas le plus moche. Tu as raté les deux premiers levels. Non, mais en plus, là, jeu du schnapps oblige. Laid, t'es loin du compte. Parce qu'en plus de ça, alors tu vas voir que je vais pas utiliser de potion. Regarde bien ma barre de vie et tu verras bien qu'elle ne descend jamais. Mais ramasse pas, toi. Et là, le problème, là où j'ai merdé, comme tu peux voir, il y a une barre en haut à droite. Et le problème, c'est que j'ai eu un souci sur OBS. Bah, forcément, il n'aime pas le jeu. Donc, il m'a fait un truc bizarre avec un message de déco super bizarre avec des symboles extraterrestres. Il n'y a pas la musique. Bah, la musique, elle est là quand elle a envie, on dirait, mais c'est pas souvent. Waouh, des morceaux de steak.
Ah ouais, ça commence à devenir noir. Et il me faudrait trouver les deux archers. Le problème, c'est que c'est des groupes. Alors, en fait, comme je suis invincible, je sais ce que je vais faire, je vais foncer. Pourquoi se prendre la tête? J'ai pas réfléchi avant. Ah, j'ai pris du dégât, c'est quoi ce bordel? Ah, mais je suis plus invincible, voilà, quand il y a eu une mine, je suis plus invincible. Ah, en fait, c'est un porte-poisse, le mec. Putain, pendant tout le jeu, j'ai été invincible, et là, t'arrives, je le suis plus. Ah, mais c'est quoi ce jeu du schnapps? Attends, ah, j'hésite à faire un restart level, parce que là, franchement, j'avais pas fait gaffe, moi, à cette barre. Et le problème, c'est que si je reprends là, j'ai aucune chance d'arriver jusqu'au bout. Allez, tant pis, on va faire le restart. C'est pas grave. Ah, mais le jeu de la fin ultime. Ah, mais c'est carrément mou. Mais t'as pas vu le niveau avant, le truc, le boss de fin, c'était trois portails. J'étais en train de taper pendant 1 heure, j'ai failli me casser le poignet. Les cinématiques, ben, elles s'affichent même pas, je te parle même pas de l'écran d'accueil. Attends. Alors ça, le truc, ça marchait cet après-midi quand j'ai testé. Là, ça marche même plus. Ça me fait apparaître le perso qui a rien à voir. Alors, en fait, je vais aller direct aux archers. Je vais vous faire comme ça. Vous, taisez-vous donc. Voilà, on va prendre l'aggro. Je vais aller fumer déjà le premier groupe d'archers. Alors, tu peux... Super galère en plus parce que tu peux pas viser au bon endroit. Genre là, je dois viser les pieds du squelette. Et donc voilà, il tape des hommes en bas, on sait pas qui. Il tape dans le brouillard. Il y a l'animation qui rocks du poney. Il y a une IA de malade. Alors donc jusqu'ici, je suis invincible. Si on regarde à peu près, je ne perds pas de vie. Mais ouais, c'est mou parce que regarde, j'ai plusieurs techniques aussi, c'est ce que j'expliquais. Mais je peux pas les mettre dans les autres slots, ça marche pas. On te dit, quand tu regardes sur le 2, on te dit de faire un clic droit après un clic gauche sur le skill, bah ça marche pas du tout. Donc j'ai rien compris, j'ai pas cherché plus loin de toute façon. Hein. Je me suis dit, c'est bon, jeu de merde. En plus, ils te font restart parce que t'as pas fait gaffe à la barre verte en haut. Parce qu'à ce moment-là, t'as eu un souci. Voilà, ils prennent pas en compte les gens qui ont des soucis. Non, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ta mère? Alors, d'un seul coup, en plus, t'as ce bruitage de merde. Putain, le truc, c'est une arme 1-4, je crois, hein, vitesse d'attaque, et j'ai l'impression qu'elle tape tous les 3 secondes. J'ai l'impression qu'elle met une semaine. Alors, si j'ai bien calculé, normalement, à peu près à partir du 6, bientôt, je vais plus être invincible. Mais calmez-vous bien. Alors, en fait, c'est bien cette technique. Comme ça, ils ferment leur gueule. Voilà, tu les entends pas rager. Voilà, taisez-vous. Alors, je te parle même pas des items que tu mets une semaine à revendre. Hein, parce qu'il faut que tu les cliques un par un, que tu les envoies tout à gauche de l'écran. Donc, c'est vraiment le jeu du schnapps absolu. Ah, le test que j'avais lu, franchement, il se foutait pas de la gueule des gens. Ouais, moi je me disais j'ai des potions, elles me servent à rien, j'en ai utilisé au début comme ça, parce qu'au début t'étais pas invincible. Et d'un coup là tu te retrouves invincible depuis presque 1 heure. Voilà, moi ils m'enlèvent mon invincibilité, je m'y attends pas. Problème c'est qu'en plus il faut se dépêcher un peu là. Quoi qu'en fait ça tombe, c'est même pas prévu, c'est un bug du jeu si ça l'enlevait. Parce que là je vais arriver au même endroit, ça tombe, ça va pas me l'enlever. Ah ouais, non mais c'est le jeu parfait, zéro défaut ça. Ça c'est pour les rageux ce jeu. Voilà, le mec qui finit jamais son jeu là, je veux dire si t'es comme ça. Et en plus au lieu de te faire des vraies mises à jour, on te fait des mises à jour genre...
Voilà, on vous a mis un god mode, de quoi prendre de l'XP. Je sais même pas c'est quoi les trucs, mais putain, je vais les amener là-bas. Mais laissez-moi passer. Ils doivent être là, les archers. Bah voilà. Ah, c'est super bizarre. Bah voilà, maintenant je suis. Donc comme tu peux le voir, pour l'instant je suis invincible. Non mais stop faire grossir les squelettes là. Ouais. Ah ouais, là tu peux faire du speedrun. Franchement, tu te pètes la main. En plus, tu peux pas jouer à la manette, donc t'es sûr de déchirer la main comme ça. Plus t'as des lags. Alors là, le truc aussi, c'est que si tu mets pas tes points, faut t'attendre le prochain level pour les avoir. Voilà, comme ça ils sont sûrs. T'es obligé de les mettre pour te faire chier. Voilà, on va faire comme ça, on va tracer. Ouais, tant pis les potions, le pognon. Hein. Ah, mais c'est le jeu de la perfection, ça. Les mecs, ils ont dû mettre 4 ou 5 ans pour le faire, je pense. Au moins. Ah bah là, j'imagine que ça doit être rempli de bugs, donc... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tourne en rond en fait? C'est quoi ce squelette? Moi j'ai l'impression que ça fait du feu quand j'appuie dessus. Je ne comprends rien, ça clignote, on ne sait pas pourquoi. Attends, mais ils sont où les autres archers? Dites-moi pas qu'il y avait une autre route et parce qu'il n'y a pas de map. C'est le pire ça aussi. Démerde-toi, il n'y a pas de map. Attends. Ils sont pas là, on en vient. Donc s'il n'y a pas une autre falaise, il va falloir revenir en arrière. Ah, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'autre chemin ici, j'ai rien vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je sais même pas ce que c'est. Bon, bah, il va falloir repartir en arrière. Hein. On va essayer de se dépêcher, mais je vois pas comment ça peut donner. En fait, je suis pas sûr que c'est un jeu que t'aies envie de finir. Franchement, je commence à douter maintenant. Ah, il y a une super arme, voilà. L'arme du schnapps. Je les entends en plus tirer leurs flèches. Hein. Il n'y a pas un bruit dans le jeu, mais tu les entends. Alors en fait non c'est eux. Est-ce qu'il y avait un autre passage? Ah par là. Ah putain en plus les mecs se sont fait chier pour que tu fasses tout le tour quoi. Ah le truc de galérien. Le jeu depuis le départ il est linéaire mais là ils se sont fait chier. Allez venez. Non non je veux pas vous entendre crier. Je sais que le jeu est silencieux mais quand même. Non non taisez-vous j'ai dit. Calmez-vous. Arrêtez ou je fais des morceaux. Oh, il y a une superbe épée. Ah, peut-être. On ne sait pas. Ah, épée de merde. Épée de merde. Gagné. Faire un peu de place. Hein. Voilà. En plus, il clique. Non, mais ça me fait rire. Je veux jeter un objet. Il clique, il se déplace, le mec. Ah, ça, c'est de l'inventaire, Kirox. Voilà, j'utilise même pas, mais normalement je peux invoquer un tigre, truc qui rocks le poney. Mais là, j'ai pas le temps à cause de leur connerie. Parce que comme on peut pas le placer en plus, bah voilà. Mais tais-toi donc. Ah, je sais pas si c'est mieux que le bruitage de Taifu ou si c'est mieux que Legend of Dragoon. Non, je préfère encore Legend of Dragoon, sans hésiter. Même si ça peut traumatiser une vie. Alors, où est-ce qu'ils sont les archers? Putain, mais en plus, ils sont pas à côté, quoi. Putain, le truc, il fait 3 km. Mais heureusement que t'es invincible. Je veux dire, en temps normal, le truc il doit être super mal équilibré, je suis sûr.
Franchement, j'en suis quasi sûr, quoi. Putain, ces bruitages de la vie. Ah merde, il me faut de la mana. J'avais pas vu. Au moins, j'utilise ma mana en ce moment. Bon, tant pis si je suis pas invincible, mais il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Voilà, tapons dans le tas. Ah oui. Ça, c'est du bruitage. En fait, je t'ai pas dit, je me suis trompé dans le type. C'est R-Type que je voulais mettre. Non, mais ramasse-moi ça, la hache. Non, mais même le pognon, regarde, il peut pas le ramasser. On dirait qu'il va tomber dans le vide, le pognon. Alors lui, il m'attaque même pas, il est dépité. Fait, faut donner ce jeu à quelqu'un qui découvre. Putain, en plus, faut retourner à l'entrée, ils nous disent. Alors lui, j'ai l'impression que je lui fais nos dégâts. C'est quoi ce mec? Ah, lui aussi, là, il est quasi invincible. Vas-y, moi je me barre. Et vous faire voir. De toute façon, je suis sûr qu'ils vont pas tous me suivre. Où ça, y a Eitri? Où tu as vu Eitri? Eitri serait dans le coin? Attiré par mes superbes jeux de la folie ultime. Oh, il y a une super arme là, je le sens. Oh, du pognon. Alors, j'espère que c'est là-bas l'entrée. Waouh, il y a des épées à profusion. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, attends, c'est quoi? C'est quoi? Un arc? Alors j'espère que c'était ici. On dirait que oui, peut-être. On ne sait pas. Ouais, il m'a fait la technique tout seul sans me demander, lui. Se fout de moi. Alors je sais même pas où je dois aller. Ils me disent l'entrée, c'est vague, l'entrée de la montagne. T'es là l'entrée, je suis arrivé de là. Est-ce que c'est ça pour eux? Ah ouais, c'est ça. Voilà, en plus tu peux même te barrer, t'es pas obligé de tuer les mobs. Ils s'en foutent de ta vie, les mobs, ils te laissent passer. Bravo le jeu. Alors voilà, moi j'ai ça, t'as un écran blanc quand il y a une scène cinématique. Et il arrive même pas à les afficher, il arrive même pas à afficher des cinématiques in-game des boss. Waouh. Ah non, mais j'ai raison, hein. Le jeu, plus t'avances, plus il devient joli. Alors il faut trouver et tuer le gouverneur. Oh, the governor. Alors ça sent le truc, il va falloir une semaine pour le tuer. Waouh, les effets. Ah là, ils ont fait un petit effort, quoi. Alors c'est vrai que j'ai ramassé plein de daubes. Alors de la merde, de la... Oh, ça c'est peut-être bien. Allez, pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas changé un truc. Non, mais stop m'agresser. Tiens, on va jeter. On va jeter. Mais jette, je t'ai pas dit de te déplacer, je t'ai dit de jeter. Alors j'ai 7 épées depuis le début du jeu, je l'ai pas changé. Non mais cherche pas, si je suis invincible, je suis invincible. Putain, mais il me l'a pas jeté ça. Non mais ce jeu de la haine absolue quoi, il te dépose là où tu le poses. Viens, on va là-bas. Voilà, c'est bon, on va pas trop s'emmerder. Ne les ramasse pas. Déconne pas.
Allez, on va prendre un peu de level. Ah, il en faut, hein. Ah, quoi que non, on vient d'en prendre un. Alors, a new skill. Alors ça, tu comprends pas, il déverrouille tout dans le désordre. Alors je vais le mettre là-dedans, hein, vu que voilà, je pense que ce sera mieux. On te dit même pas ce qui augmente au level 2. Franchement, l'arnaque absolue. Allez, trouvons ce gouverneur. Ah oui. Je sais pas ce qu'il fait le squelette là. Il a une main avec une boule bleue. Il tire des flèches. Des Shanna de Legend of Dragoon. À la res ici. Ah oui, un level. Ah oui, quelle classe. Alors je ne sais pas qui m'envoie ces trucs là. Le gouverneur, il m'attaque à l'autre bout de l'écran. Calme-toi bien. Allez, mettons nos points. Voilà, on va mettre comme ça. Faire croire qu'on met de la surdéfense. Mais stop m'attaquer en douce. Putain, mais comment j'aurais honte à votre place. Alors on va essayer de monter. Je sais pas ce que c'est. Une arène peut-être, un labyrinthe. En fait, oh, ils nous ont fait le coup du vieux labyrinthe pourri, quoi. Les mecs qui avaient trop d'idées pour faire leur map. Mais tais-toi donc, mon gros. Ah, la carrosserie ultime. Bon, bah, on va faire le tour. Hein. Heureux, tu as craché. Allez, on va essayer de gagner du temps. On va ramener du monde avec nous. Comment ça, il était dans le coin? Et il a craché. Ah, mais c'est lui qui me faisait la misère là. Voilà, on va le. Mais il TP le mec. Ah voilà, il est mort, il me fera plus chier. Oh, il y a un mec immense là-bas. Bah je pense qu'il devait bugger alors. T'as un squelette qui se bat tout seul là-bas à gauche. Mais arrêtez de me tirer dessus. Putain, les mecs, faut faire un effort à un moment. Moi je veux attaquer lui. Viens là parce qu'eux ils vont pas bouger. Voilà. Alors lui il va falloir une semaine. Ah, il était en train de streamer, tu veux dire? Ah non. Ah merde, j'ai plus de mana. Voilà. Au moins les potions de mana servent. Quand t'aggro 1 milliard de personnes. Ouah, comment il paye lui? 692. Et il coûte 20 euros. Oui, tu as bien entendu. Oh, une grande hache plus 57 de dégâts. Alors ça m'intéresse par contre. Même si on perd de la vie. Ah non, on perd de l'armor. Mais j'ai tellement pas changé d'arme depuis une semaine. Que je crois que c'est la troisième arme ou la deuxième arme que j'ai eue dans le jeu, ça. Ouais, faut que je teste. Ah, il m'espionne. Bah oui, il vient voir les super jeux auxquels on peut jouer une fois qu'on cherche un peu sur Steam. Hein, les jeux de la folie.
Ah, les jeux que tout le monde a envie de jouer. Je le comprends. Je ne lui en veux pas. Mais carrément pas cher. T'as vu ça? Pour le jeu de la folie ultime. En plus, t'as un mode coop 50 joueurs en même temps, je crois. Un truc dans le genre. Ah, voilà quoi. Tu joues et les autres regardent. Mais tais-toi donc. Bon, l'avantage là, c'est que j'ai quasiment triplé mes dégâts avec ce truc. Ah non, mais 20 euros, moi j'ai envie de dire, c'est donné. À ce prix-là, foncez tous acheter ce jeu. Ah, il y a du monde. Ah, voilà. Ah, ce que j'aime, enfin de l'action. Hein, pour donner un coup d'épée une fois par heure. J'ai presque envie de dire, limite, c'est mon AOE qui fait tout le taf. Moi, je regarde. Ah, ITP quand je peux taper, la seule fois. Ah, et puis cette animation. Alors là, on sait pas pourquoi ils ont posé du pognon. Voilà, au cas où si t'es pas assez riche. Ah, tiens, il y a un arc. Du pognon. Voyons voir ce qu'on a ramassé. Armure plus 12, défense plus 10. Il me semble que j'ai bien mieux. Ouais, j'ai le cri de chance. Allez, on jette un peu. L'arc, qu'est-ce qu'il donne? Ah, bah enfin, un arc digne de ce don. Parce que franchement, les arcs que j'ai eu, genre du plus 1, des trucs comme ça, ils se sont foutus un peu de ma gueule. Ah, ouais, j'ai vu qu'il y avait les soldes sur les trucs arcade, je crois, ils appellent ça un truc comme ça. Et ouais, Shield of Light, il est pas cher. J'avoue qu'en plus il m'intéresse énormément ce jeu. Attends, en plus j'ai pas pris la bonne route. Je le crois pas. J'ai pas vu un truc pour monter, donc il y aura un autre chemin. Putain, mais le jeu de la carotte ultime quoi. C'est ennuyeux, tu te fais chier et en plus on te fait tourner en rond. Alors donc si on réfléchit, à droite, il doit y avoir encore un autre chemin. C'est pas possible autrement, sinon c'était qu'en bas carrément, il y avait un autre chemin direct. Ah, ils auraient dû appeler la quête cache-cache, moi je dis. Ça aurait été plus vite. Allez, c'est parti pour un nouveau gangbang. On tape dans le temps, on voit qui meurt en premier. Pourquoi c'est l'archer qui est mort à 3 km? Voilà, technique du schnaps absolu. Ah, mais ça descend encore, il y a plein de mecs. Comment je le sens pas, il va falloir faire tout le tour. Ah putain, le level design de merde quoi. Ah, ils ont vraiment foiré tout ce qui touche quoi, les mecs. Mais stop les healers. Ouais, 400 kills. Mais te heal pas, tu vas mourir aussi. Ok, à plus, merci d'être passé. Je t'ai dit que j'étais sadique de toute façon. Je changerai pas d'idée. Mais bon, sur YouTube, j'ai pas vu de vidéo française, il me semble. Ok, bah si je suis dans le coin, je passerai voir. Je passerai voir ça. Mais lâchez-moi. Waouh, l'eau sur la droite.
C'est juste magnifique, on a envie de s'arrêter pour ne pas en rater une miette. Carotte, je m'en doutais, fallait bien que ça arrive. T'as mis tout ça pour arriver au centre. Je vais nous faire tout le grand tour. Ah, j'adore l'ombre de la hache. Ils ont mis un bout de bois. Alors, il me semblait qu'il y avait une descente quelque part. C'est le jeu, tellement t'as envie d'investir, t'as envie de ramasser tous les loots. Ah, mais y a encore des gens. Ah, bah suivez-moi. Eh mince, c'est où qu'on descendait? J'avais pas vu un truc pour descendre. Bah, je vais les buter, comme ça je saurai que là où il y a plus personne ou s'il y a des gens, c'est que j'y ai pas été. Ah, c'est vraiment le jeu de la purge absolue. Les 20 minutes d'essai que j'avais pu faire dessus, je m'étais point trompé. Ah bah non, en fait, c'est là que je suis descendu. Mince alors. Et il n'y avait rien par là, j'ai déjà été. Donc il faut redescendre carrément tout au début. Oh là là, comment t'abuses le jeu. Et il n'y a même pas une mini-map, quoi. Ça aussi c'est de la folie. T'as l'erreur de débutant quoi, hack and slash sans minimap. Ils avaient trop peur qu'on remarque que leur level design c'était de la merde absolue. Alors là il y a un squelette et je suis pas monté alors. Ah mais en fait j'y étais peut-être depuis le début. Non mais toi meurs. Voilà, tais-toi donc. Voilà, je t'avais laissé en vie, mais là si tu me suis. Mais si j'avais été ici. Ah, je dis de la merde. Mais ouais, j'ai été. C'était la feinte et il y a le vendeur de l'autre côté sur la gauche. Putain, mais ce bruit d'eau. Ah bah en fait c'était peut-être par là vu qu'il y a le vendeur. Allez, suivez-moi. Alors je sais plus si elle est rochers. Si elle est rochers, il faudra descendre et continuer la route. Ah bah. Les mecs qui se sont essoufflés. Ah non, il y en a un qui a survécu. Alors c'est là la descente. Ah, enfin du monde. Ah, il y en a un qui m'a suivi. Voilà, il a été jusqu'au bout de sa passion. Il faut. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ramasse le pognon. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je tape dans le vide. Ah, du monde encore. Ça voudrait dire qu'on est sur la bonne route. Tout cas, il y a possibilité. Alors, il faudrait qu'il me laisse bouger, là. Voilà, que je me colle à eux. On va le stunt, lui, pour pas qu'il heal. Non, t'enfuis pas. Voilà, meurs. Peut-être que je m'occupe de lui aussi. Putain, mais pourquoi il veut pas se déplacer? Il galère le mec. Ah oui, level up. Moi je dis GG. Alors, mettons les points. Hein. Soyons plus forts. Ça montait quoi? Ça montait pas les dégâts normalement? Ah si, ouais, c'est ça. Ça c'est sur le distance et le dodge. Ah mais j'ai 6 points, j'avais même pas vu.
Voilà, ça m'a l'air bien comme ça. Donc dans S, je dois avoir 3 points. Ah ouais, carrément. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça augmente le critical strike. Ça m'intéresse ça. Ah ouais, mais on sait pas de combien augmente le suivant. Ça, c'est le cri de chance, il me semble. Ah non. Alors, on va mettre là. Ça, c'est toujours pas ouvert. Alors, je serais tenté de mettre dans ça aussi. Même si on sait pas. Non, mais arrêtez de me frapper. Franchement, on va même pas s'emmerder. C'est un jeu où faut pas s'emmerder. Mais stop me frapper. Parce que moi, je vous emmerde. Non? Alors ça, c'est des boots avec 9, 6 et 5 de crit de chance. Ça peut être intéressant, ça. Ah, mais carrément. Ah, le mec, il va être intuable. Allez, ça, on va le déposer. 4 et 2 crit de chance, c'est sur quoi? Ça, c'est un anneau. Alors, on avait de la force et de la vie. Allez, on va mettre ça. On va le mettre à part pour l'instant. Ah, s'il veut bien le mettre quelque part. Non, il a pas envie de le poser. Eh ben, pose-le là, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, va te faire voir. Sérieusement, quoi. Merdeux, ce jeu. Allez, on avance. Ah, voilà, ça montait ici. Et il me semble qu'il y avait des marchands par là. Moi, je dis, on va pas s'emmerder, hein, tout dans le dégât. C'est les bases. On ramasse le pognon. Tiens, je me demande si je vais me faire agresser pendant que... Donc j'essaierai de vendre. Alors par contre, je sais pas si c'est la bonne route. Du fait que le marchand, il était à un étage plus haut, il me semble. Il y a encore des mecs en bas. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a du monde, quoi. Allez, pète-leur la gueule. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, tout seul? Ouais, on a gros, on a peur de rien. Lui aussi il me stunt. Je sais pas lequel des deux, mais je pense que c'est le mage. Allez, mais tais-toi donc. Mais toi aussi. Voilà, cherche pas à te healer. Ah, mais il a réussi le con. Voilà, je t'ai dit non. Alors, ça, c'est quoi un bâton? Ouais, ça a l'air d'avoir ramassé. Ah non, en bas c'était bloqué, donc c'est bien la bonne route. Putain, mais cette vue. Alors, donc à gauche serait le marchand, plus la mauvaise route. Et à droite, la bonne route normalement. On réfléchit. Putain, mais j'ai l'impression que ça lag. Je fais aggro trop de mobs. Viens là. Voilà, mettez-vous bien au milieu de lui. Ah, s'il me laisse attaquer, j'ai plus de mana. Voilà, tu fais même pas attention tellement tu tapes dans le tas. Non, mais même ça, il faut même pas penser à esquiver. Là, je dois être plein de pognon. Putain, mais ce passage là super long. Mais c'est d'un ennui mortel. On est level quoi? Juste pour se marrer. Level 12 quand même. Ah, j'ai tué tout le monde d'un coup. Pardon, j'avais perdu ma souris. Qui me tire dessus? Mais qu'est-ce que tu me veux toi? Tiens, toi t'as un bras jaune. Putain, il arrive même pas à courir droit.
Allez, taisez-vous donc. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais meurs. Waouh, quel effet mirifique encore. Ah, mais non, mais lui, on peut pas lui vendre. Ah, je me suis fait entuber. J'avais pas pensé à ça. Je pensais qu'il y aurait son collègue à côté. En tout cas, pas très loin. Ah, paladin, classe overcheatée. Ah ouais, donc un bon conseil avant d'acheter ce jeu, renseignez-vous bien. Vous allez le regretter toute votre vie sinon. Putain, mais il a une fin à ce chemin ou pas? Ah, ça monte. C'est peut-être la bonne route, alors on va les faire ici. Il y en a un peu trop, je vais pas tous les attirer là-haut. En espérant que ce soit le bon chemin. Allez. On tous finir en petits morceaux. Ah oui, on a pris un level encore. Encore et encore. Ah ouais, mais j'ai plus d'agi maintenant que de force. Avec tout ça. Non, mais je suis invincible. Non, j'ai combien de mana? 393. Allez, on va essayer de trouver la route par là. Non, mais toi tout seul, non, ça m'intéresse pas. Là, ça a l'air mieux déjà. Allez, on y croit. On va trouver le gouverneur. Mais tu vas finir en morceaux. Faut pas le ramasser, ça, c'est leur épée. Bah oui, il la tient dans sa main. Eh ouais, c'est pas le bon chemin. Là, il y a un bâton. Mais le bâton avec ce perso, c'est pas trop la classe. Alors là, c'est bloqué. D'après ce que je vois. Eh ouais, ça ramène de l'autre côté. Donc par là, ça doit être la bonne route. C'est le seul chemin qui reste, normalement, si par en bas, on peut plus. Là, on va passer. Ah bah non, des pierres aussi. Attends, ils se foutent de ma gueule, là. Y a-t-il une fin à ce jeu? Où est-ce que j'aurais raté? Là, je ne comprends pas. Parce que là, c'est bloqué, c'est bloqué. On est d'accord? Bon, je tape dans l'à peu près, parce qu'en plus, il nous en fait chier. Alors là-bas, il y a des mecs. Attends, je comprends pas, parce que là-bas on peut plus avancer, on peut descendre là à gauche, mais on pourra plus avancer. Je ne suis pas fou. J'ai laissé quelques mecs, certes, mais... Putain, ça tombe, le gouverneur va nous dire que c'est un de ces mecs qui est caché là. Se fout de ma gueule, là. Dites-moi qu'il y a un chemin par ici. Le jeu me fait pas rage quit. Même si je devrais. Pour l'horreur que tu veux me faire supporter. Là, pourquoi ça brille ça? Il serait caché dedans. Mais c'est quoi ces trucs qui se cassent pas? Mais c'est quoi ce bordel? Ça fait pop à côté. Ah, ça marche pas sur eux. Non, mais le tonneau il se déplace, c'est quoi ce bordel? Quelle est cette connerie? Ah, lui se casse. Lui, je sais pas, ça fait des trucs bizarres. Lui se casse. Attends, il est bien quelque part. Il attaque sournoisement. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Allez, on va aller buter les derniers ennemis là-bas. Peut-être qu'il est dans le tas, hein. Allez savoir. Mais j'y crois pas du tout. Et le problème, c'est que je vois pas où il pourrait être ailleurs. Moi, j'aurais bien vu au centre, mais voilà. Jus de la purge ultime.
Attends, j'arrive d'ici. Si je peux plus monter nulle part, il y a bien un truc quelque part. Jeu du schnapps. Bam. Là, tu stun, voilà, t'en tues 40. Paquet 12. M'étonne après que tu prends des levels comme ça. Mine de rien, en plus, les mecs ils payent. Et il reste deux trous du cul. Là, il est resté. Ouais, ça continue à attaquer, donc il est toujours quelque part. Il reste encore des gus ici. Mais là, on est d'accord, on peut plus poursuivre le chemin non plus. Ah bah, ils sont tous tombés en même temps. Bon bah. Là, j'avoue que ne pas comprendre. Et sans map, ça va être encore plus dur. Moi, j'aurais dit qu'il est vers le centre. Mais bon. Est-ce qu'il y avait un truc pour monter ici quelque part? Là-bas, c'est le marchand. Pas vu de chemin qui est monté ici. Bah non, voilà, c'est la carotte absolue. Au fond non plus, donc il faut revenir en arrière encore une fois. Putain, ça tombe, il va pop sur un autre endroit où on a déjà été. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais qui t'a laissé vivre? T'es où, leur gouverneur de merde? The Governor est demandé à l'accueil. Alors lui, il est à moitié blessé. Alors ça, il me semble que c'est le chemin que j'ai pris au début. Donc là, normalement, il y a les rochers qui mènent au marchand. L'autre côté, c'est des rochers aussi. Moi, pas comprendre. Ils auraient ouvert un passage, il y a un truc avec les tonneaux peut-être. Attends, normalement on peut pas voir les quêtes. Alors, From Cruel Walls. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça? Il se sentait plus, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais meurs toi. Alors, Of Thoranians, Foyer, Running the Town, Istavaz. Alors on va monter, mais normalement il n'y avait rien. Ouais, c'est ça, il est au milieu, c'est une ville en fait, ça. Là, c'est le marchand. Attends, j'ai raté quelque chose là. Attends, le marchand, il était un étage plus haut. Ouais, là, on peut pas, j'ai raté quelque chose. Il va y avoir un endroit pour monter plus haut et je l'ai raté. Suis sûr d'avoir tout visité de l'autre côté, donc ce serait par là. Là, j'ai descendu deux étages, il faudrait que je monte de deux. Retourner vers le marchand, j'ai peut-être raté quelque chose. Mais c'est d'une longueur en plus et d'une pénibilité. Je sais pas, on va regarder là en bas ce qu'il y avait. Est-ce que c'était coincé? Oui, il me semble que oui. Et le marchand normalement est plus haut. Ouais, donc ici c'est bien coincé, on est d'accord. Une pente sur la droite. Et après, faut que j'en trouve une autre. J'ai du schnaps. Parce que là, j'ai dit on peut pas. Il y a les rochers, de l'autre côté, il y a les rochers. Là, il y a la pente.
Attends, on va d'abord aller voir là-bas. Je sais pas si j'ai été, il me semble que oui. Bah oui, il y a des coffres. J'ai pas raté. Bah oui, c'est l'étonnant. Ah bah là maintenant, bah non, ils se détruisent, mais ils repopent. Ah, mais le bug absolu. Ah, ça y est. Non, celui-là, il va pas mourir. Ah si, ça y est. Oh, du pognon à foison. Ah, je capte pas le truc. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de capter? La question qu'on pourrait tous se poser. Alors, il me semble qu'à gauche c'était le marchand. Faudrait que je trouve une montée. Ah, mais là, peut-être ça que j'ai raté. Là, il y a des rochers. Donc, c'est non direct. Là, je suis déjà passé. Bah non, ouais, on peut pas quoi. Il y a des rochers partout, c'est quoi ce bordel? Mais on doit pouvoir y aller. Il y a un truc de l'autre côté. On va essayer d'aller voir par là. Peut-être qu'il y a un autre passage que j'aurais pas vu. Mais bon, logiquement, je suis passé ici. Je crois que ça mène au marchand. Ah là peut-être. Ah oui, la sauvegarder. Donc c'était là. J'avais bien raté quelque chose. Putain, quelle horreur quand même. Ce truc escargot là, c'est vraiment un supplice quoi. Alors donc ça doit être là-bas. Allez, on va peut-être finir par y arriver. Allez, encore 2000 points et on prend un level. Un level 14. Ouh yeah. Mais tais-toi donc. Mais genre, il a TP quoi. Ah, ça monte encore. Bon, allez, mais grossis pas, toi, qu'est-ce que tu me veux? Toi, stop, il est. Voilà, squelette géant est mort. On va s'occuper de lui, hein. Mais tais-toi donc. Alors, on n'a plus de mana, on va utiliser une. Ah, juste bien pour leveler. Voilà, moi je dis c'est parfait. On va mettre les points. Voilà, on va faire comme ça. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Ah, on peut plus monter au-dessus de 3. D'accord. Donc ce sera toujours un tigre pourri ici. Mais j'ai envie de dire c'est dégueulasse. Ah, mais j'ai encore un point. Alors, je vais peut-être d'abord aller voir là. Je sais, ça se fait pas. Alors, ça, on sait pas ce que ça met, ça, ce que c'est. Alors, je comprends pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas grave. Voilà, tigre reste pas là. On va augmenter ça. Ah, s'il veut bien, voilà, merci, oui. Merci, monsieur. Voilà, c'est histoire de se sentir moins seul. Dans le jeu de l'apocalypse. Ah, bah, ils sont morts en même temps, les deux. Ah tiens, je voulais voir les items justement. 43, c'est pas mal. Mais bon, j'ai mieux quoi, j'ai une 57.
Alors, 14, 6, je sais même pas ce que j'avais. Bah, je crois qu'elles sont mieux. Plus de défense. Voilà, je regarde à la va-vite, hein. Hop. Bon, tout ça, c'était de la daube après. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie ou il fallait monter? Bah, ça monte ici aussi, donc il y a toujours le suspense. Wow, j'ai fait casser le jeu. Et voilà, il a peur, lui, il a grossi. Bam, juste pour lui faire peur. Alors déjà, on sait que c'est pas par là. J'ai presque envie de dire c'est une bonne nouvelle. Allez, mourez. Mourez par paquet de 12. Oh, mais là, faut arrêter de laguer, là. T'avances vers la fin et plus ça lag. Putain, mais ce stage infini, quoi. Les autres stages, ils duraient genre 10 minutes. Ceux-là, ils durent une heure. La misère absolue. Alors, en vrai, c'est le dernier stage, ça. On va essayer de buter le healer tant qu'à faire. Ça peut servir. Voilà, on a fait des petits morceaux de lui. On va se buter les deux. Voilà, un petit crit pour la forme. Décathlon à fond la forme. Voilà, toi aussi crève. Alors, ça a l'air de toujours monter. Voilà, sauvegarde. Ah, on arrive au centre enfin. Bon, on aura la surprise de savoir à quoi il ressemble parce qu'on le verra pas apparemment. Le jeu n'a pas envie de se montrer. Ah non, il a même pas envie. Putain, ce bruit de fond, juste l'eau là. C'est censé être apaisant, mais j'ai l'impression que ça fait plutôt rager. Alors j'imagine qu'on va voir le boss. Ah oui. Alors, pendant qu'il fait ça, on va essayer ça. Voilà, comme ça, on fait comme ça. Tant pis, on va cramer la popo. C'est quoi ce truc qui bouge plus? Putain, le pattern de merde quoi. Putain, avec les effets à 10 balles. Il est en pierre et je peux même pas bouger moi. Alors franchement. T'as cet effet rouge quand on le tape. Mais c'est naïf 2. J'ai jamais vu chose aussi laide. Cas, j'espère que c'est le dernier boss, hein, parce que c'est un supplice de finir ce jeu. Vous l'avouez. Alors j'ai l'impression qu'on peut plus le toucher quand il fait ça. Ah mais on peut casser les piliers en fait. Voilà, si tu t'ennuies, tu casses des piliers. Ah mais il se régène peut-être lui grâce à ça. On va savoir. Je ne sais pas. Ah, je peux pas attaquer les piliers en dehors de ces phases. Ok. Bah en fait, faut rester à côté. Un boss qui est super relou quoi.
Autant à l'origine c'est des phases sympathiques, mais là c'est naze. Soyons sérieux. Là c'est un calvaire. Allez, faut que je le casse sur cette face si possible, ce serait bien. Ah, ça va plus marcher, voilà. Ah ouais, j'ai l'impression que lui se régène. Ah ouais, le truc c'est qu'il faut l'empêcher de se régène, le mec. Là, je vous cache pas à quel point c'est un supplice, hein. Sincèrement, autant c'est marrant au départ, mais là, ces phases, c'est clairement la mort. Allez, on va y arriver. Allez. Voilà, on a pété un pilier. Putain, il y en a encore une purge. Il y en a au moins trois, je crois. Ah, je peux plus. Ma main va rendre l'âme. Ah mais le truc c'est que lui il va rester là-bas, non? C'est bon, je croyais qu'il allait se régène. Pourquoi il y a une lumière bleue là-bas? Le truc c'est que je suis curieux, j'ai envie d'aller voir. Bah voilà, il va aller attaquer le pilier lui aussi. Il ira peut-être un poil plus vite comme ça. Je me dis que ça peut le faire. Et en plus, il me dit quand il y a le changement. Allez, faut qu'on y arrive. Voilà, merci bien. Alors, il reste un pilier. Ça marche bien la technique avec le pet, voilà, ça fait double aggro. Normalement il tape que moi, il les fleurs. Alors, en fait on n'est pas obligé de finir les piliers. Putain, le jeu n'est pas fini, non, déconnez pas. Attends, il est pas encore mort. Ah, il a TP le mec. Ah non, déconne pas, me dites pas qu'il y a encore un niveau. S'il vous plaît, aidez-moi. Quel est ce truc? Ah putain, le bruit de l'eau va cesser. Merde, je fais des conneries. Non, zappe tout. Passe direct au jeu. M'embête pas. Ah putain, si, y a encore un niveau. Défendre l'armée contre les vagues ennemies. Ah non, mais le vieux finish. Ah putain, le niveau suivant, c'est des hordes, quoi. Ah non, ils se foutent de notre gueule. Elles viennent tout à ces vagues. On sait même pas ce qu'il faut défendre. Il y a des mecs qui sont partout. Mais ils sont t'es où? Oh, le jeu du schnapps. Putain, ça tombe, ils vont arriver de partout. Je me sens gros comme une maison. Il y a 50 000 passages.
Alors le truc là, c'est qu'on sait pas s'ils vont arriver au milieu une par une. Il faut défendre nos trois gus. Ah ouais, si ça va être ça. Ah mais le truc du schnapps, tu peux pas défendre les quatre côtés en même temps. Quoi ces conneries? C'est mission impossible, lui il est tout seul déjà. Mais il se moque de nous là. Non, mais il y a trop d'embranchements. J'ai une chance sur combien de milliards de réussir? Non mais vas-y, ils jouent tout seuls les mecs. Des archers. Faut aller aider le flanc gauche. Bah je peux rien faire de mieux, mince. Il se bat encore. Bah c'était eux. J'en avais laissé un. Était caché. Non, mais ce stage de la mort absolue. C'est vraiment de notre gueule. Ils se sont vraiment foutus du joueur jusqu'au bout. Il faut patienter. Sérieusement. T'as le temps de t'endormir parce qu'en plus, entre les vagues, t'as 40 secondes. Alors, ils ont l'air d'attaquer ici en premier, on dirait. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a un mec avec des ailes. Où est-ce que ça se bat? Ici. Moi je dis, ils vont pas survivre longtemps. Hein. Pas que je souhaite leur mort, mais c'est un peu mal barré pour eux. Mais c'est tellement naze comme mission. C'est vraiment une mission de merde. Alors le pauvre lui à gauche il est tout seul.
Eux vont bientôt décéder. Lui aussi. Allez, level up. Donc à faire en passant, on va aider le mec solo. Ah ouais, non, mais carrément. Faut que s'il meurt, il vienne direct sur moi. Oh, bute pas mon tigre. Alors, on a 10 levels. Mais non. Ah, c'est vrai que j'ai enlevé la J. Donc on va faire comme ça. Ah, le tigre il va y passer. Reculez s'il vous plaît. Là, en bas il est tout seul. Alors à gauche il y a un gros trou et en bas il est tout seul. Ah mais on peut en faire pas plusieurs. Intéressant. On va essayer comme ça. Alors là, il y a deux sortes de dragons. C'est de se les fumer vite fait. Hein. Mais. En toute la place, le tigre. Ah putain, ils les ont fumés là aussi. En même temps, je veux pas dire, mais ils ont aucune chance. Voilà, quête complétée. Voilà, quête de merde, donc aucun intérêt, parce qu'en plus il restait un squelette. Non, on n'a pas envie de t'entendre. Ne cherche pas. Allez, j'espère qu'on approche de la fin, parce que franchement... Voilà, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, on arrive sur des trucs démoniaques. Alors je vais juste faire appel au tigre. Ah, Frosties, viens ici. Genre on nous a fait l'effet du vent un peu très chaud. Ah, c'est peut-être le dernier boss. Ah non, c'est quoi? Ah, peut-être. Putain, mais même ça, ça bug, quoi. Ça arrive même pas à... Y a rien à afficher. Oh, les bruits super bizarres. On peur, eux. Mais bon. Là, ils me les envoient un par un. Non, mais ils m'ont encore escroqué mon tigre. Je tiens à le dire, ça, c'est de la carotte, par contre. Quoi, j'ai plus assez de mana. Ah non, il y a le bug. Pas ça. Ah ouais, je crois qu'il est bugué. Comme il est pas mort dans les conditions normales. Ah, ça aussi, c'est de la merde.
Ah si, ils viennent par deux. Voilà, on ira plus vite. Non, bah ça veut pas marcher ça. Bon bah, ça, le tigre, soit on n'a pas le droit à ça, ça marche pas. Allez savoir. Mais bon, ça a l'air d'être le dernier niveau, c'est beaucoup plus démoniaque là. Ah bah c'est cool, ça ira encore plus vite. Non mais moi je vais taper celui d'en haut. Lui qui est bientôt mort. Voilà. Je suis un peu dessus depuis le début. Ah merde, à une demi-seconde près, il y avait moyen de se faire plaisir. Allez, un peu de mana. Il y a vraiment que la mana qui sert. Hein. Ouais, il me semble que c'est les derniers en plus. Allez, les deux vont mourir. Allez, au suivant. Voilà, meurt. À toi. Au dernier de ces messieurs. Allez, meurt. Je vais même pas utiliser mon skill pour lui. Qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être TP à chaque fois. Putain, mais c'est tout bugué, on sait même pas ce qu'il dit, on comprend rien. J'ai l'impression d'être chez les extraterrestres. Un drap carrément maintenant. On est vraiment dans le délire complet, en plus c'est une mocheté. Bon, je peux pas utiliser mon dôme. Ah bah si, voilà. Par contre, je comprends pas ce que c'est ces trucs verts. Alors là, le tigre a remarché. Bizarre. Très très bizarre ce jeu. Allez, on va prendre une popo. C'est le cinquième boss, lui. En tout cas, il était considéré comme le cinquième boss. Mais c'est ridicule. Ah, on va enfin se battre contre lui, donc ce serait le dernier boss. Ah, bah on dirait que ça va faire plaisir, on approche de la fin du supplice. Ah, il a des gardes. Mais ce serait bien lui. Ce rire démoniaque, c'est peut-être le meilleur point fort du jeu. Non, mais ils m'ont encore enlevé mon tigre. Oui, une tornade. Allez, mourrez tous. Allez, on va se remettre de la force. Bon, j'espère qu'il va pas m'en envoyer à l'infini comme ça. Parce que bon, je vais les déboîter. Ah si, il est sérieux en fait.
Est-ce que je peux avancer vers lui? Ah mais oui. Ah voilà ce qu'il faut faire. Ah non, mais il se TP lui. Voilà, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut le suivre en fait. En plus simple. On va faire ça. Ouais, en fait, dès qu'on bute la garde, ils se vengent. Non, mais là, vous êtes devant moi. Mais lui, il a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. Voilà, il va prendre super cher comme ça. Ah oui, il le protège. Et ben voilà, Demon Hunter, on a fini le jeu, je pense. Là, forcément, on n'aura pas la fin. À la fin, c'est un écran blanc. Quand t'as pas le truc qui passe normalement. Putain, et ce bruit de fond, là. Merdique. Ah non, j'ai pas le droit d'avoir un happy end. Mais c'est dégueulasse. Ah non, ça doit être le générique, j'imagine, ici. De toute façon, il n'y avait même pas de page d'accueil, quoi. On avait juste une petite banderole rapidos. Mais on s'en foutait un peu, quoi. Ça encore, ça passait. Ah, mais là, c'est le truc qui dépasse l'entendement. Sûr, hein, ils ont dû mettre des succès pour qu'en plus, parce que je dois pas être à fond. Je dois approcher, j'imagine, les deux tiers, un truc dans le genre. Mais je suis sûr qu'on t'a mis des succès du genre ouais, mourir, les potions, la magie, truc nombre de fois quoi. J'espère qu'ils ont pas mis un truc de mort. Ah, il y a le mode hardcore sûrement aussi pour avoir le full. Bon ben, on peut pas le saper en plus cette saloperie. Bon, je vais pas vous dire, je vous laisse le générique. Sincèrement, pour une fois, ben, on va se quitter là-dessus. Je vais quand même vérifier. Mince. Ouais, je regarde le dernier trophée que j'ai eu. Demon Hunter, on va voir ce qu'ils me disent que c'est. Ça doit être le dernier boss normalement. Kill Demon and Release Allié. Donc ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce qui reste? Ouais, vite fait, il faut détruire sans objet. Ouais, mais là tu passes 4 heures à rien foutre. Mourir 3 fois. Utiliser 50 potions, 500 magie, 8 morts. Non mais faut y aller pour 8 morts quand t'es invincible. Comment tu fais? Je suis mort une fois par accident déjà. 1000 kills, je sais pas combien j'en ai fait. Après mode hard et hard et hardcore. Ouais. La merde absolue. Mais bon, c'était bien le dernier boss. Ça, c'est ce qu'on peut en dire. C'était vraiment le dernier boss du jeu. Allez, je suis désolé, il n'y aura pas de message de The End. Mais malheureusement, on va se quitter sur cet écran blanc. Et donc, bah, que dire? Que dire de ce jeu de malheur? Ne l'achetez pas, ne faites pas cette erreur. Ne perdez pas 3 heures de votre vie, vous le regretteriez. Franchement, c'est laid, c'est mou, on se fait chier. Les skills, on peut même pas les passer, même si on les passe, on en a 3-4. À la fin, le tigre, il sortait même pas, il est sorti une fois.
Truc qui bug et tout. Ah, c'est pété de partout. Après, peut-être que bah pour certains, je sais qu'ils ont eu la chance d'avoir les cinématiques. Hein. Je pense pas que ça apporte un plus. Mais bon, pour 20 € allez vous acheter plein de jeux pendant les soldes, mais pas cette tob. Faites-vous plaisir autrement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.